qui est une grande fan de Busy Languages, qui apprend beaucoup de langues, elle est polyglotte et elle se destine à devenir traductrice. Elle est venue aujourd'hui avec nous dans le quartier du Marais, à Paris, pour poser une question aux gens. Qu'est-ce qu'on va leur demander? Alors aujourd'hui, on va demander aux gens s'ils peuvent se décrire en trois mots pour que vous puissiez apprendre plus de vocabulaire pour vous décrire vous-même. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On y va? Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît? Décrire à moi? Oui. Joli, intelligent, anglais. Je sais pas, là actuellement peut-être un peu malade. D'accord. Sinon, je sais pas. Alors quelqu'un de, je sais pas, gay, joyeuse et curieuse. Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots s'il vous plaît? Oui. Dynamique, solidaire et curieuse. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot solidaire? Solidaire, ça veut dire ce n'est pas une obligation et c'est aider les autres. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot curieux, s'il vous plaît? Curieux, bah alors c'est quelqu'un qui est ouvert à découvrir des nouvelles choses et à ce qu'on lui apprenne des nouvelles choses aussi, peut-être? Écoutez, je suis une femme vieillissante qui déplore la situation actuelle dans ce pays. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous décrire en trois mots? Alors, en trois mots, je dirais d'un certain âge, donc sage. Amical. Spirituel. Créatif. Et amoureux. Et inspiré. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot inspiré, s'il vous plaît? Inspiré vient de Dieu, vient, c'est-à-dire c'est prendre de l'air, puisque le prana c'est tout ce qui nous soutient, c'est-à-dire c'est l'inspiration du divin, l'inspiration de l'être suprême qui nous traverse à tous. Nigo mais foncièrement gentil. Alors, ça fait deux. Nigo mais foncièrement... Nigo foncièrement gentil. Et pour vous décrire par exemple votre apparence? Ben, je suis septuagénaire, j'ai encore un corps de jeune homme. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous entendez par Nigo? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Je suis gentil, je me fais toujours avoir. Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots s'il vous plaît? Me décrire en trois mots? Des adjectifs ou... Oui. Optimiste, généreuse et naïve. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot naïve s'il vous plaît? Oula, naïve c'est quand on est assez... Bah, crédule, ça va pas aider. Quand on croit les gens assez facilement, qu'on a beaucoup confiance et que souvent, comment expliquer ça? C'est peut-être un peu bête aussi. C'est peut-être un peu, on croit trop facilement des choses qui sont à l'évidence fausses. Fatigué, occupé et impatient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous êtes impatient? D'attendre ce soir. D'accord. Voilà. Généreuse, souriante et gentille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire généreuse? Je donne sans demander quelque chose en retour. Ça me fait plaisir de donner aux gens et de partager ce que je peux partager avec ceux qui ne connaissent pas ou mon savoir. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît? En trois mots. Patiente. Non, c'est pas vrai. Non, arrêtez. Je suis pas du tout impatiente. Impatiente, sensible et compliquée. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot sensible, s'il vous plaît? Sensible, avoir pas mal d'empathie. Il va falloir expliquer le mot empathie. Non. Avoir pas mal d'empathie pour les autres. Voilà, être intéressé aux autres. Je suis une vieille dame. Encore pleine d'énergie. Voilà, c'est tout. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire pleine d'énergie?
ça veut dire qu'à 87 ans, vous voyez, je fais mon marché, je traîne mon sac et je vais rentrer chez moi. Amoureuse, sincère et gay. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot sincère, s'il vous plaît ? Sincère, sincérité, vrai, authentique, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît ? Me décrire ? Oui. Le personnage professionnel ou dans la vie ? Dans la vie. Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. D'accord. Très simple, facile à vivre, social. Et moi, je pourrais dire, j'aime la vie, j'aime vivre, quoi. Mes amis, sortir, m'amuser. Voilà, mais travailler aussi, ça fait partie de la vie. D'accord. Voilà, en gros. Et vous, est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots ? Ben moi, amoureux aussi, parce que je suis avec elle. Et puis, heureux d'être à Paris, de se promener ici. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé notre épisode d'Easy French. Nous avons demandé aux gens de se décrire en trois mots. Et maintenant, je vais te demander à toi, Blandine, de te décrire en trois mots. Alors moi, je dirais que je suis de bonne humeur, que je suis souriante et que je suis drôle. Voilà. C'est vrai qu'elle est très drôle. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cet épisode. Si ça vous a plu, likez notre vidéo, abonnez-vous, devenez membre d'Easy French sur Patreon. Vous aurez accès à du contenu exclusif, transcription, traduction, vidéos à télécharger avec et sans sous-titres et des exercices sur chacune de nos vidéos. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus à la première séance du module 2. Sean bienvenidos. Bonsoir. Alors, bonsoir Ana, bonsoir Bania, Jimena, Antonio, Ariana, Gabriela, Matías, Steph. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous vous encontrez super bien. Alors. Alors, je vais changer. Voilà. OK. Alors, j'espère que vous allez super bien. Ok. J'espère que vous allez bonsoir, super. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Jimena. Bonsoir, Bania. Gabriel, Matías aussi. Gabriela, Ana. Bonsoir. 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 Alors. Bienvenue à la première séance du module. Soyez bienvenue à la première séance du module 2, d'accord. Et alors, je suis le prof de français, le prof de ce module, le module 2. D'accord, avec moi, on va continuer votre histoire, l'histoire qui s'appelle la langue française. Et alors, on va commencer la séance d'aujourd'hui par une petite présentation personnelle, d'accord ? On va commencer la séance d'aujourd'hui avec une petite présentation personnelle. Et oui, mais alors, parfait. Peut-être je peux partager l'écran. Je veux partager quelques informations alors importantes à dire.
Nous présentons. Ah oui, alors, qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui veut commencer? Moi. D'accord. Ok. Je m'appelle Bania. Mmh. J'ai 49 ans. J'habite à Santa Cruz, Bolivie. Je suis auditeur. Oh, d'accord, ok, c'est tout. Merci, Bania. Tu habites à Santa Cruz et tu es auditeur. Auditeur? Ah, d'accord, auditeur. Ok, parfait. Enchanté, Bania. Très bien. Et je vous invite aussi, Steph, Antonio, Mathias, Gabriel, Gabriela, Ariane, Anna, à allumer vos caméras, d'accord? Allumez vos caméras. Allumez vos caméras. Encendemos nuestras cámaras. D'accord. Merci, merci Gabriel, merci Ariana. Super bien. Et merci aussi Steph, Steffi. Je Bonsoir vais Gabriel. me prendre mon tas. Ah oui. Bonsoir, je m'appelle Ceci, j'ai 16 fois, j'habitais à Santa Cruz, je suis de Sydney, vidéographe, photographe et j'aime dessiner et je n'aime pas les Bravo, merci Stéphie, enchanté. Alors, et aussi, tu habites à Santa Cruz. Enchanté. Très bien. Ok, alors, et Stéphie, attention. Et tu dois choisir une personne, quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Tienes que escoger a alguien para que continúe la actividad. Steffi. Comment? Tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. D'accord? Debes escoger a alguien para que continúe la presentación. ¿Y? Ana. Ana, Ana, parfait. Ana. 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 Ah, Ana, d'accord. Ana, Ana. Perdón, es que estaba teniendo un poquito de problemas con mi internet. ¿En qué estamos diciendo? D'accord. On fait une petite présentation personnelle. On fait une petite présentation personnelle. Hacemos una pequeña presentación personal. Ok. ¿Puedo seguir después? Ah, après, d'accord, après. Et quelqu'un d'autre, Steffi, alguien d'autre. Aïe, Gabriel, Jimena, peut-être Ariane, Adrien, Antonio. Antonio. Antonio, Antonio. d'accord. D'accord, Antonio. Bonsoir, Cristian. ¿Me escucha? Oui, on t'entend. Ok. Je m'appelle Antonio, j'ai 17 ans, je suis de Bolivie, je suis étudiante, je veux être docteur. Eso. Merci, merci bien Antonio, très bien, bravo. Ok, enchanté Antonio. Et tu habites où, Antonio? Tu habites où? Santa Cruz, Bolivia. Très Santa bien, Cruz. très bien. Ok, à Santa Cruz aussi. Parfait. Antonio, tu dois choisir quelqu'un d'autre aussi pour continuer l'activité. Gabriel Méndez. Merci.
Allô, allô, bonsoir. S'écoutant. Oui, bonsoir Gabriel. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tous. Je m'appelle Gabriel. Je suis un étudiant. J'ai habité à Santa Cruz. Je suis un Bolivien. Et j'ai 20 ans. J'ai étudié l'ingénierie du système. Et j'ai ma. Non, j'ai. Comment pour dire mon second année? Ma deuxième année, ma deuxième année. Si. Oui, ma deuxième année. Ma deuxième année à l'université. D'accord, parfait. Ok, bravo Gabriel, enchanté. Et parfait. Tu habites aussi à Santa Cruz et tu es dans ta deuxième année à l'université. Très bien. Et tu études l'ingénierie? Quelle ingénierie? Et système. Ah, l'ingénierie des systèmes. Très bien. OK, parfait. Merci. Enchanté. Très bien. Alors, Gabriel, tu dois choisir aussi quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Oui. Pourquoi non? Bania. Qui ne tenemos para continuar? Oui, et oui, tu dois choisir quelqu'un d'autre. Tienes que escoger alguien d'autre para continuar esta actividad. ¿Cuáles son los faltantes actualmente? Alors, Jimena, Monk, Matías, Ana, Ariana, Adrián. Ana, bueno, Ana ya dijo que no iba a poder, así que Jimena. D'accord. Merci, Gabriel. Bonsoir, je m'appelle Jimena Villarroel, j'ai 46 ans. Je suis bolivienne, j'habite à Santa Cruz, je suis architecte. Oui, exactement. Je suis architecte. Très bien. Je vais l'écrire dans le chat. Je suis architecte. Comme ça. Et j'étudie dans l'ingénierie du système. Ok, merci, enchanté Jimena aussi. Très bien, bravo. Et aussi, la même chose, la même consigne. Tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer cette activité, pour continuer la présentation personnelle. Adrien. D'accord. Je m'appelle Adrien, j'ai 9 ans, j'étudie dans l'école lycée franco-bolivien. J'habite dans La Paz, Bolivie. Bravo Adrien, enchanté, enchanté, bravo. Alors tu habites à La Paz, tu es encore à l'école. Tu as 9 ans, oui, très bien, parfait. Merci Adrien, enchanté. Alors Adrien, la même chose, tu dois choisir quelqu'un d'autre. Alors parmi Adriana, Mathias, Anna ou oui. Ou oui, les trois. Parmi les trois, tu dois choisir quelqu'un d'autre. Mathias. Mathias, oui. Merci, Adrien. Bonsoir, je m'appelle Mathias, j'ai 18 ans, je suis un étudiant et j'habitais à La Paz et j'aime chanter, lire. Enchanté, Mathias. Très bien. Ok, bravo aussi. Et aussi, tu habites à La Paz, très bien.
Et finalement, alors Mathia, tu dois choisir parmi Adriana ou Anna. Oui, c'est Ariane. À Ariane. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ariana et j'ai 26 ans. Je suis communicateur social et j'habite à Tarija, en Bolivie. Ok. Très bien, enchanté, Ariana. Tu habites à Tarija. Très bien, bravo. Alors, et tu es présentatrice, tu as dit, administratrice? Et non, je suis communicateur social. Ah, communicatrice. Oui. Communicatrice et sociale. Très bien, communicatrice sociale. Et sociale. Très bien, je vais l'écrire comme ça. Je suis communicatrice et sociale, comme ça. D'accord? Très bien. Ok, très bien. Ariana, enchantée. Et finalement, Anna, on t'écoute. Bonsoir, je m'appelle Anna et je suis étudiante en design industriel. J'habite à Santa Cruz. Ok, enchantée, Anna. Alors, tu études quoi? Et dessinatrice? Non. Design industriel. Ah. Design industriel. D'accord. Ah, yeah. Et oui, design industriel. Design, oui, comme ça, industriel. Très bien. Ok. Ok, merci tout le monde. Soyez bienvenus à la première séance du module 2. Je suis Chris, le prof de français. Alors, pendant ce module, on va apprendre plein de choses. On va travailler les quatre compétences, d'accord? On va travailler toujours plus ou moins la production écrite, la compréhension de l'oral, la production orale aussi et la compréhension des écrits. D'accord? On va travailler les quatre compétences pendant ce module et il y a un examen final. D'accord? Et le but, c'est de pouvoir réussir le niveau, le DELF A2. D'accord? À la fin de ce module, on sera capable de pouvoir réussir le DELF A2. Et aussi, on va travailler un peu de grammaire aussi, tout en s'amusant, d'accord? La chose la plus importante en liberté, c'est que on va apprendre en s'amusant. D'accord, vamos aprender divirtiéndonos. D'accord, à travers des jeux en ligne. Donc, n'hésitez pas à faire les devoirs aussi, parce que la plupart sont des devoirs en ligne et des jeux. Oui, comme ça, d'accord. Et aujourd'hui, alors avant de commencer la séance d'aujourd'hui, alors merci tout le monde pour allumer votre caméra, c'est très bien. Et j'invite maintenant Antonio et Steffi à allumer aussi et votre caméra. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une photo, d'accord? C'est la première photo du module pour bien commencer ce module. Voilà, commencer así super bien este módulo. Très bien, merci Antonio et Adrien aussi. Et on va prendre une photo. Et après, à la fin, je vais partager la photo dans le groupe, d'accord? Donc, on sourit, d'accord? Et je vais prendre une photo. 3, 2 et 1. D'accord? Encore une fois, un sourire sincère.
Très bien, exactement. Merci Antonio. Ok, très bien. Très bien. Ok, parfait. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Bravo Adrien, Adrien, Gabriel, Jimena, Bania, Steffi, Antonio et Anna. Ok. Et Gabriela. Ah, Gabriela, je pense que oui, manque. Gabriela, tu n'as pas à te présenter. Gabriela, on t'entend. Te escuchamos. Gabriela Vanessa. Sí. Oui. Ok, je m'appelle Gabriela Vega, j'habite à Santa Cruz, je suis étudiante. Bravo. Enchanté, Gabriela. Très bien. Très bien, niveau prononciation. Ok, parfait. Et merci. Ok. Alors, qui manque? Alors, oui, ça va. Oui, ça va. Ah oui, ok. Et Mathieu aussi, Adrien. Ah non, aussi. Ah oui. Ah non, aussi. Très bien. Ok. Ok. Alors, on va commencer la séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien, d'accord? Cliquez sur le lien dans la description du groupe de WhatsApp. Il y a deux liens, d'accord? Le premier lien, le premier link, le premier lien, c'est pour avoir l'accès à sur Classroom, d'accord? Où je vais partager et les devoirs. Toutes les séances aussi seront enregistrées. Todas las sesiones serán grabadas, ¿de acuerdo? Donc, n'hésitez pas à revoir la séance si quelque chose n'a pas été bien compris ou pour réviser, d'accord, le contenu. Première chose. Et le deuxième lien, le second enlace, le deuxième lien, c'est le lien pour avoir l'accès à les cours en ligne, n'est-ce pas? Le lien sur Zoom, ok? Ensuite, oui, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien sur Classroom, d'accord? Où je vais partager tout le contenu. Aussi, je vais partager le contenu, les devoirs sur WhatsApp, d'accord? Dans WhatsApp, dans les groupes de WhatsApp. Ok, et voilà. Des questions avant de commencer la séance d'aujourd'hui, il y a des questions, des doutes, hay preguntas, dudas, tal vez, ¿no? Oui, ça va? Ça marche? Anna, Steffi, Gabriel, Bania, Jimena, Antonio, Adrien, Gabriela, Adriana, Ariana, Matías. Perdón, Cristian. Oui. El material con el que vamos a avanzar, ¿nos lo facilitan un día antes de la clase o? Bonne question, ¿O bonne es question. avanzando en clase directamente? Non, bonne question. Alors, oui, maintenant, je veux partager le livre. Ahora voy a compartir el libro, d'accord? Dans le groupe de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, voy a compartir el libro ahora mismo. Et oui, c'est ça. Maintenant, ahora voy a compartir. Pourquoi? Parce qu'on va faire une activité, on va travailler une activité de compréhension des écrits, d'accord? C'est la leçon 1. Et oui, je veux partager le livre maintenant. OK? D'autres questions, autre pregunta, duda? Non? Steffi, ça va? Anna, Mattia, Gabriel, Jimena, Antonio, Gabriella, Ariana, Ariane. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de doutes, maintenant, on va commencer à travailler avec le livre, d'accord?
Maintenant, je vais partager dans le groupe de WhatsApp le livre. Et à la fin de cette séance, je vais télécharger et la séance enregistrée, d'accord, sur Classroom. Et oui. Ok, ça s'est bien passé. Je viens de partager le livre dans le groupe de WhatsApp. Et le document est en train de charger. D'accord. Et après quelques secondes, vous aurez l'accès au livre. D'accord. Vous aurez accès au livre. Alors, on commence. C'est parti. Oh, bienvenue à Liberté, le module 2, d'accord? Le module 2 du livre. Et, ok. Très bien. Alors, on va aller à la page, on va aller à la page, on va commencer, on va aller à la page 3 du livre, d'accord? On va aller à la page 3 du livre. On va commencer par une activité de compréhension des écrits, d'accord? Leçon 1 et leçon 1, le petit déjeuner, d'accord? On va pratiquer un petit peu la prononciation, on va regarder comment ça se prononce et s'il y a des fautes niveau prononciation, on va essayer à corriger, etc. D'accord? Oui. Alors. Et c'est parti. Vous avez déjà pu télécharger le livre? Oui. Je viens de partager le livre. D'accord? On est à la page 3. D'accord? Page 3 du livre. Dans cette appareil d'adresse. On est à la page 3. Le petit déjeuner. Alors. Alors, j'ai besoin de trois personnes pour commencer cette première lecture. Trois personnes. Trois personnes pour commencer la lecture d'aujourd'hui. Deux personnes. Qui veut participer? Qui veut participer? Bania. Ah, Bania, merci Bania. Ok, Bania, quelqu'un d'autre? Vous pouvez aussi. Bania, d'accord, ok. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alguien autre? Bania, non, Adrien. Ah, Adrien, merci Adrien. Ok, Adrien, deuxième personne. Et finalement, Ariana, Ari. Ok, la troisième partie. Très bien, ok. Après, et Gabriel, d'accord? Après, Gabriel. Après, Gabriel. Ok, merci. Bania, on commence avec toi. Le premier paragraphe, on va commencer avec une petite lecture. Et s'il y a des mots inconnus, on le mettra en commun, on répondra à quelques questions, niveau prononciation, niveau vocabulaire. C'est un texte, d'accord? C'est un texte facile, intitulé Le petit déjeuner. D'accord? Le petit déjeuner. Alors, on commence avec Vania. On t'entend. Oui, Vania.
Les Français ne mangent pas beaucoup au petit-déjeuner. En général, les adultes souvent un bol ou un grand tas de café ou de café ou lait. Le café est à fort. Quand le café n'est pas fort, on dit que c'est doux. J'avais souvent on ajoute un peu de sucre. Bravo, très bien, Bania, exactement, parfait. Alors, la seule remarque, attention, ENT à la fin, ENT à la fin, on ne le prononce pas, on n'entend pas. Nous prononçons, nous écoutons. ENT à la fin est muet, est mudo, d'accord? ENT à la fin est muet. Alors, on va prononcer ici, mange, d'accord? Ne mange pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes boivent. D'accord? Boivent et mangent. Pourquoi? Parce que ENT à la fin, c'est muet. Est muet. Est mudo. On n'entend pas. No escuchamos. On ne prononce pas. No pronunciamos. D'accord? Très bien. Alors, il y a des niveaux vocabulaire, peut-être. Quelques mots inconnus, alguna palabra desconocida, tal vez. Le café est assez fort. Très bien. El café es bastante fuerte. Le café est assez fort. Bastante, assez fort. Le café est assez fort. Bastante fuerte. Oui, très bien. Bonne question. Le café est assez fort. Très bien. Es bastante fuerte. D'autres questions à la classe, peut-être? Non, Anna, Adriana, Gabriel, Mattia, Antonio, Jimena, Steffi. Ça va? Bania aussi? La palabra souvent, Ah, souvent, oui. souvent. Souvent, très bien, bravo. Souvent. Exactement. A menudo, souvent. Oui, a menudo. Très bien, oui. Souvent. Souvent. Oui. Cette fois-ci, oui, on prononce ENT à la fin. Pourquoi? Parce il ne s'agit pas d'un verbe. No se trata de un verbo. Cuando son verbos, ENT a la fin es mudo. ¿D'accord? Cuando son verbos. Aquí es el verbo manger. ¿Cierto? Manger es un verbo. Y el verbo boire, beber. Entonces, como son verbos, se pone ENT a la fin para la tercera persona, pero no se pronuncia. Ok. Merci. De rien, de rien. Excelente question. Excelente question. D'autres questions? Merci, Jimena. Anna, Gabriela, Mattia, Steffi, Adrien, Antonio. Ça va? Gabriel, Gabriel. Excuse-moi, professeur, j'ai une question, les juste des chaussettes. Bonne question, Gabriel. Excellente question. Jeu de chaussettes. Jugo de medias. Jeu de chaussettes. Quand, alors, il faut se mettre en contexte. Pour qu'il prenne en contexte. Quand le café n'est pas fort, quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du jus de chaussettes. Decimos que es pues un jugo de medias. Souvent, on ajoute un peu de sucre. Oui, c'est ça. D'accord? Jus de chaussettes. Jugo, jus de des chaussettes médias. D'accord? Oh, d'accord. Oui? Excellente question, Gabriel. Oui. D'autres questions? Non, ça va? Ah, en français aussi, on dit ici, à la place de dire le petit déjeuner, on va tout simplement dire le petit déj, d'accord? Le petit déj. Le desayuno, d'accord? Le petit déj. Ou le petit déjeuner. Les deux fonctionnent.
Ok, ça va. Adrien, à ton tour. Je lis depuis quand? Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent du thé le matin. C'est souvent du thé de sachet, mais le thé reste un produit assez élite. N'a pas l'habitude d'en voir souvent, comme c'est le cas de Angleterre ou en Asie. Exactement. Bravo, Adrien. Très bien. Alors, deux petites remarques. Ici, on va faire la liaison, d'accord? La liaison. Quelques années, quelques années. Et Quelques oui, très bien. Et de plus en plus, de plus en plus. Ici aussi, la même chose. La liaison de plus en plus. Et de oui. plus en plus. Oui, exactement. La liaison. Alors maintenant, je vais expliquer à quoi, c'est quoi la liaison? La liaison, parce que la plupart d'entre vous ne connaissent pas la liaison, n'est-ce pas? La liaison. Alors, la liaison va nous aider à enchaîner. Enchaîner les mots. Vamos a encadenar las palabras, d'accord? Enchaîner les mots. OK? C'est la liaison. Vamos a hacer una especie de encadenamiento con las palabras. Alors, ici, par exemple, depuis quelques années, d'accord, depuis quelques années, y esta liaison ocurre cuando termina en S, una palabra, y la siguiente empieza por vocal. ¿Ok? Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus. Y vamos a hacer un son de Z vibrada. ¿Ok? Así como una abeja. Quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent. D'accord? Encore une fois, ici, ENT à la fin, on ne prononce pas. OI toujours WA. D'accord? OI toujours WA. Eso sí es igual, importante à saber. OI toujours WA. ENT à la fin, on n'entend pas. No escuchamos el ENT à la fin. Y cada vez que haya OI en francés, nosotros vamos a pronunciar como wa, siempre. No hay excepción. ¿D'accord? O-I-WA. Boivent. Boivent du thé le matin. C'est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste un produit. Le thé à la fin, on n'entend pas. Non plus. Le thé à la fin, on n'entend pas. La thé al final, tampoco se escuchamos. Tampoco se pronuncia. Un produit assez élitiste. Élitiste, d'accord? Élitiste. E à la fin, on n'entend pas non plus. La E al final, tampoco escuchamos. On n'a pas, la S tampoco escuchamos. D'accord? On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, n'est-ce pas? Comme c'est le cas, très bien, le cas en Angleterre ou en Asie. Parfait. OK. D'autres questions? Est-ce que vous avez bien compris la liaison? C'est entendu la liaison? Ça marche? Vous avez bien compris la liaison? Bien entendu la liaison? D'accord. Aquí, por ejemplo, hay otro caso de liaison. Les adultes. D'accord? Les adultes. On va faire la liaison. On va enchaîner les mots. Vamos a encadenar las palabras una a otra. Les adultes. Quand le café n'est pas fort, on dit. On ajoute ici, oui. Jusqu'ici, d'accord? Jusqu'ici, hasta acá. La liaison. Merci à Thérèse.
Alors, il y a des mots un peu compliqués à comprendre. Hay palabras tal vez un poco difíciles a comprender. Qu'est-ce que vous dites? La classe, Vania, Ariana, Gabriel, Gabriela, Steffi. Creo que están. Pardon? Pardon, pardon. Después quelques temps. Très bien. Très bonne question. Depuis quelques années. Ahí, en este caso sí vamos a pronunciar la E. ¿Por qué? Porque está acentuada. Depuis quelques années. Desde algunos años. Depuis, desde quelques années. Después de algunos años. O desde algunos años. ¿Ok? Desde algunos años. Remarcamos que hay cada vez más franceses que beben té por la mañana. D'accord? Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. D'accord? C'est souvent du thé en sachet. En sachet. D'accord? Hein, le CH comme ch. D'accord? Esto es importante igual. CH. La CH siempre va a ser sh. On va prononcer comme sh. La plupart du temps, d'accord? Sachez. Como este es OIWA, entonces este va a ser OIWA. Siempre OI va a ser WA. Y CH, toujours sh. Eso es importante, siempre anotar ahí. ¿D'accord? Sachez. Mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire comme c'est le cas? Comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie? Qu'est-ce que ça veut dire comme c'est le cas? Comme c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comme c'est le cas. Comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Non? Ok, es el caso. ¿Cómo es el caso? ¿En Inglaterra o en Asia? Comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. D'accord. Ensuite, Harry. Les deux. D'accord. Cette fois-ci, les deux. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café. Ils boivent plutôt du chocolat chaud et c'est du chocolat en poudre avec du lait. Ou bien simplement du lait qu'ils accompagnent des céréales. En général, on mange un tranche de pain. Une biscotte avec du beurre, un put et ajoute de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leurs tartines dans le bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Bravo, bravo. Très bien, Harry. Très bien. Très bien, parfait. Presque parfait. Exactement. Ici, la même chose. Comme ENT à la fin, on ne prononce pas. Ici, ça va. Tu as bien prononcé boivent. Ils ne boivent pas. Ils boivent. Très bien. Ils accompagnent. Très bien. Mais ici, ils, les Français, que beaucoup de Français. Beaucoup de Français trompent, d'accord? Trompent, pas trompant, trompent leur tartine, d'accord? Ok, parfait. Très bien, Ariana. Des mots un peu difficiles à comprendre et aussi tu as bien fait la liaison.
Ici, par exemple, on peut constater la présence de la liaison. Comment se constaterait la présence de la liaison? Ils accompagnent. D'accord? Ils accompagnent. Ah, je haine toujours. Aussi, je haine toujours. On va prononcer comme un ng. D'accord? Toujours. Je haine toujours ng. Et aussi, au, toujours o. Comme c'est le cas chaud, des chocolats chauds, chocolat caliente. Plutôt du chocolat chaud. A-U-O. Le D à la fin, on ne prononce pas. La D à la finale, on le prononce. D'accord. Plutôt du chocolat chaud. Chaud, chaud, chaud. C-H-A-U-O. Chaud. C'est du chocolat en poudre. Ah, ici, pareil. O-U-O. D'accord, on va prononcer comme un ou. O, U, toujours ou. Poutre. D'accord, poutre. Poutre. Avec du lait ou bien simplement. Simplement du lait qu'ils accompagnent des céréales. Très bien. Ah oui, ici, on peut y ajouter. On peut y ajouter. ER à la fin, on va prononcer comme un E. On peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir, oui, OIWA, savoir que beaucoup. Ah, aussi, ici, EAU, on va prononcer comme un O. OAU, toujours O. D'accord? EAU, O. Simple, va être sa combinaison. EAU, O. Comme A-U-O aussi. Et ensuite, O-U-O. C'est pourquoi ici on va prononcer beaucoup. D'accord? Beaucoup. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Ici. E-A-U-O. Et O, U, U, beaucoup, beaucoup. D'accord? Beaucoup de Français trempent leurs tartines dans leur bol de céréales ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Très bien. Alors, des questions avant de continuer. Des questions, des questions. Des mots inconnus. Paroles desconocidas. Anna, Antonio, Steffi, Mattia, Gabriel, Gabriela. Bania, Kimé, Drienne, ça marche. Le On top. compte plus ou moins. Le top. Pardon? Il vaut le top. Ah, plutôt, oui. Et où? Donnez. Donnez, donnez, donnez. Et donnez. Il vaut le top. Le Voilà. chocolat. Voilà. Ils boivent. Ils boivent. Oh, ils toujours roi. Boivent plutôt du chocolat. Très bien. Et ils bébé. En cambio. Oh, si, en cambio. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Non? Ils bébé. En cambio. Pues del chocolate caliente. Non? Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Más bien también, más bien. Ellos beben más bien, sí, ese suena mejor, más bien. Ellos beben más bien del chocolate caliente. Ils boivent plutôt du chocolat chaud, más bien, plutôt. Merci, très bien, Bania. D'autres questions, Kimé, Trian, Gabriela. Harry, Gabriel, oui. Siguiendo la frase, sé du chocolat en outre, no sé, outre, escribe. Oui, très bien, exactement. Poutre. On va prononcer poutre. La E no pronunciamos, y poutre, très bien. Es el chocolate en poutre, en polvo. En poutre. En poutre avec du lait, non? C'est du chocolat en poutre. Es chocolate en polvo con leche.
C'est du chocolat en poudre avec du lait. Très bien. Merci. De rien, de rien. Excellente question, Kim. Mais... La parte de abajo dice en general o Très bien. más Oui. y más. Oui, une tranche. Oui, une tranche de pain. Non, on a taha. Mataha, pain. Une tranche. Une tranche de pain, n'est-ce pas? On a taha, pain. Ouais, parfait. C'est ça. Une tranche de pain. Ou une biscotte avec du beurre. Très bien. Ah, on peut y ajouter. On peut y ajouter. On peut y ajouter. Podemos agregar. Podemos ahí agregar miel, perdón, mermelada o miel. De la confiture, miel, perdón, de la mermelada, o du miel, de miel, ¿no? De la miel. De la confiture. On peut ajouter de la confiture ou du miel. Podemos ahí agregar mermelada o miel. D'autres questions? Ça va pour l'instant? Pomme. 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 À trompe? Pomme. Pomme. Quelle partie? Quelle partie? Vous devez savoir que beaucoup de Français prennent l'air. Ouais, très bien, trompe, très bien. Vous devez savoir, OIWA, savoir. Vous devez savoir que beaucoup de Français trompent. Ça vient du verbe tromper, tromper et remojar. O humedecer, tromper. D'accord? Trompe. Alors. Petit rappel de la conjugaison du verbe en ER. Alors, le verbe finissent en ER. Alors, entonces, los verbos que terminan en ER, ¿cuáles son? Alors, bon, on va faire ça. Par exemple, le verbe tromper. Tromper. Le verbe à l'infinitif, c'est comme ça. D'accord? Tromper. Je trompe. Tu trompes, tu trompes, comme ça, avec le S à la fin. Il, elle, on trompe. Nous trompons, d'accord, vous trompez. Et il ou elle trompe. C'est pour ça, ENT à la fin, on ne le prononce pas. Vous trompez et il ou elle trompe. Donc, les Français trompent leur tartine dans leur bol de café ou de lait. Ou médecine. D'accord? Ou médecine. Très bien. Au présent, n'est-ce pas? À présent. D'autres questions, d'autres questions? Ça va pour l'instant? Alors, n'oubliez pas, niveau prononciation, cette partie, par exemple. CH, toujours CH. D'accord? CH, toujours CH. E-A-U-O. U-A-U-O. O-I-W-A. Toujours W-A. C'est toi, c'est W-A. G-N. N-Y. D'accord? N-Y. A, U, O. Siempre va a ser la A y la U, combinación O.
O-U, U. Siempre esta combinación O y U va a ser U. ¿D'accord? Et ENT à la fin, on ne prononce pas. ENT al final, no pronunciamos. ¿D'accord? D'autres questions? Autre pregunta, tal vez? Non? Ça va? Jimé, Adrien, Bania, Gabriel, Ari, Steffi, Mattia, Antonio. Gabriela, non? Anna? Ça va? Ok, on va continuer. D'accord, on va continuer. On va continuer. Alors, on va continuer avec la deuxième partie. Très bien. Bravo tout le monde pour avoir participé. Deuxième partie. Très bien. OK. Quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Alors, Gabriel. Oui, je pense que Gabriel a levé la main. Oui, Gabriel, tu vas commencer avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un autre. Qui veut continuer? Qui veut continuer? Gabriel, oui. Quelqu'un d'autre? Non. Jimmy, peut-être? Ariana? Ah non, Steffi, Mattia, Anna. Merci. Antonio. D'accord. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Une troisième personne, une tercera personne. OK. Ça va. Alors, et Antonio et Gabriel vont finir la lecture d'aujourd'hui. Oui, Gabriel, tu peux commencer. Gabriel et ici Antonio. Oui. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de pain au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et le pain au chocolat sont des produits cher et père non cher et pois cher pois et café ou ça alors quand on achète c'était plutôt le dimanche matin bien sûr les Français font souvent et la coque le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain. Fait à toutes les familles, bien sûr, pour la guerre est longue et pour la boulangerie et devant si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin. Et choisissez un boulanger où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. Bravo, bravo Gabriel, oui. La plupart de mots bien prononcés, très bien. Matin, dimanche, reporté, choisissez. Oui, très bien. Croissant, souvent, attendent, oui. Alors, mais il y a quelques petites remarques, d'accord? Attention ici. Ici, on va prononcer puis et puis, d'accord? Ici, on va prononcer et puis, ça. C'est la C, c'est dit. La Oui. C. La C, c'est dit. On va prononcer comme le son de S. Ça, c'est la C, c'est dit. Par exemple, c'est pour ça on dit et ça va. Garçon aussi. Garçon.
Garçon, d'autres mots, alors, et oui, les deux, les plus souvent, n'est-ce pas? Ça va, garçon. Un son de la C c'est dit à un son de S. Ça fait grossir, n'est-ce pas? Ça fait grossir. Ensuite, quand ici on n'entend pas le U, on s'écoute à la O, ben on se dit à la en, quand un produit, ici comme pouille, produit, oui, puis, produit, oui. Voilà, les trois. Les trois, ah, ici, reçu, n'est-ce pas? Reçu. Comme reçu. Et garçon, ça va, comme reçu. Recibido. Recibo. Bien reçu. Reçu, su. Oui. Parfait. Des questions, avant de continuer. Des questions? Il y a des questions, hay preguntas. Oui, excusez-moi, profesor, pourquoi non. La palabra qui souvent la queue. Très bien, bien prononcé. Souvent la queue. Souvent la queue le dimanche matin. La file, la queue. Et alors, quels sont les endroits où on doit faire la queue? À la banque, par exemple, à la banque, on fait la queue. À la banque, on fait la queue. À l'arrêt du bus, on fait la queue, peut-être. À l'arrêt du bus. On fait la queue. On fait la queue aussi, n'est-ce pas? Quels sont les endroits où on fait la queue? En quel lugar hacemos fila, cola? À la Ah. banque. À la banque, à l'arrêt du bus, on fait la queue. D'autres lieux, autres lugares? Voilà, les cours et les chats, non? Un problème ça, la cour et deux chats. Du chat. Alors, tu peux répéter, Gabriel, qu'est-ce que tu as dit? Ok, à dire la cola del gato, la queue de chat. Ah, Pues d'accord, des très chats. bien. Oui, ok. En fait, souvent, les filles, elles, se peignent, elles se peignent avec une queue de cheval. Les filles se peignent avec une queue de cheval. Vous comprenez avec la queue de cheval. Avec la queue de cheval. Comme Ariana Grande. Ariana Grande toujours porte la queue de cheval. Comme Ariana Grande. Comme Ariana Grande toujours porte la queue de cheval. Vous comprenez la queue de cheval? Qu'est-ce que ça veut dire, la queue de cheval? Pardon. Bueno, esa palabra entonces significa cola o fila. Sí, oui, c'est ça. Exactement. Hacer la fila en el banco, hacer cola en el banco, y también la cola del caballo, cola del gato, de todo. Exact, bravo. C'est ça. Très bien, Rie. Merci. Très bien. Oui, exactement. La queue. Donc, souvent,
souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants, du pain frais à toute la famille. Très bien. Alors, je pense que vous pouvez déjà comprendre cette phrase, n'est-ce pas? Plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Vous comprenez? Plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Je ne comprends. D'accord. Plus la queue est longue, ¿no? Mientras más larga es la fila más larga, mientras la cola más larga, mientras la fila más larga, plus la boulangerie es buena, más pues la panadería es buena. Mientras más larga la fila, más buena es la panadería. Claro. Oui. Plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. D'accord? Oui. Très bien. Et d'autres choses, des mots inconnus, des phrases inconnues, des termes un peu complexes, términos complejos, tal vez. Non. Non, ça va? Tout est bien compris. C'est la première activité de compréhension de l'oral. Compréhension de l'oral. Pardon, compréhension des écrits. Toujours, on va essayer à travailler les quatre compétences, d'accord? Aujourd'hui, on a commencé par la compréhension de l'oral, par la compréhension des écrits, et on va continuer à travailler les quatre compétences. Non? D'autres questions? Ça va? Antonio, Steffi, Mattia, Gabriel. Oui, Jimé. Ok, Adrien. Okay. Ensuite, pour finir, Antonio, on t'écoute. On peut aussi accompagner les petits déjeuners de jogurt, de fromage blanc, d'un fruit ou d'un jus de fruits. En général, on ne mange pas de chou-fleur à part de l'œuf et de l'avocat. Très bien, merci Antonio. Parfait. Alors attention à cette partie. Toujours oui, puis, comme produit, comme puits, comme fruit. D'accord? On va prononcer oui. Toujours oui, comme puits, comme produit, comme fruit. Oui. D'accord? Oui. Très bien. Et oui. Ah, et ici, on entend de la liaison. Est-ce que tu entends la liaison, d'accord? Les œufs. Les œufs. OK? Oui. Les œufs. Les œufs. Et le bacon. Le bacon. D'accord? Le bacon. En général, on ne mange pas des choses salées à part les œufs. Et le bacon. Très bien. Autre chose à dire? Tout s'est bien compris. Il y a des termes inconnus, peut-être. Hay términos complejos, desconocidos. Palabras difíciles. Des mots difficiles à comprendre. Où ça va?
va? Adrienne, Anna, Stéphie, Mathia, Gabriella, Gabriel, Vania, Jimena, Antonio, Ariana. Oui, non? Alors, autre chose, ici par exemple, choisissez une boulangerie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent? Où beaucoup de gens attendent? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui veut essayer? Choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Où beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Elegir una panadería o Oui, très bien. con un poco de personas que están esperando, algo así. Oui, très bien, exactement, Bania, bravo. Donde muchas personas esperan, où beaucoup de gens attendent, beaucoup, mucho, mais muchas personas esperan, attendent, bien luego, attendre, ¿no es cierto? Attendre, esperar, no es atender, sino esperar, ¿d'accord? Attendre. Mais attention parce qu'en français, il y a le verbe espérer. D'accord? Espérer. Ah, il y a un verbe qui también es espérer, esperar. Alors, il y a une différence entre le verbe attendre et le verbe espérer. C'est pour ça que, alors, je vous ai dit, pour commencer, pour bien commencer la séance d'aujourd'hui, j'ai commencé la séance en disant, alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Espero que se encuentre bien. On utilise le verbe espérer, d'accord? J'espère que vous allez bien. Espero que se encuentre bien, non? Como que anhelando que se encuentre bien. Mais, alors on va utiliser le verbe attendre pour le physique. Par exemple, on peut attendre à la banque. On attend à la banque. On peut attendre le bus, à l'arrêt du bus, peut-être dans la rue. On attend le bus. Esperamos. D'accord? On est physique. On est physique, comme ça. Attendre, c'est physique. Et espérer, c'est comme désir. Comme un désir, comme un désir. D'accord? Voilà. Attendre physiquement, on se peut espérer physiquement algo. Attendre, pero el verbo espérer es como que desear algo. ¿No? J'espère que vous allez bien. Yo espero que se encuentren bien. No estoy esperando físicamente, sino es como deseo. Mais j'attends le bus. J'attends mes amis. J'attends mes amis au cinéma. Espero a mis amigos en el cine. Pero físicamente, ¿no? Voilà. Avec le verbe attendre et espérer. Los dos significan esperar para nosotros. Para nosotros, los dos significan esperar. Attendre et espérer. Ok. ¿Y hay de cuestión? ¿No? ¿Para de cuestión? ¿Para cuestión? Vania, Gabriel, Jimena, Antonio, Ariana, Stephanie, Ana, Gabriela. ¿No? ¿Ça va? ¿Ça va, n'est-ce pas? ¿D'autres choses?
Vale, Cristian, no hay preguntas, dudas. Ok. Alors, pour finir, alors, comme deber, comme devoir, vous devez répondre chacun. Ah, désolé. Chacun va répondre, c'est clair, d'accord? Quelles sont les questions? Quelles sont les questions? Quelqu'un qui veut lire les cinq questions? Oui, les quatre questions. Quelqu'un qui veut lire les quatre questions? Alguien qui quiere las cuatro preguntas, les quatre questions. C'est comme devoir, d'accord? Comme tarea. Comme devoir. Qu'est-ce que le jeu de chaussettes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le jeu de chaussettes? On doit répondre et comme devoir pour la prochaine séance, pour jeudi soir, para el jueves próximo, pues respondemos estas preguntas. Deux. Que mettons sur le tranche de pain? D'accord? Que mettons sur le tranche de pain? Trois. Comment être certain de trouver une bonne boulangerie? 4. Quels sont les aliments salés qu'on mange le matin? D'accord? Vous avez déjà le livre, donc vous pouvez déjà travailler en autonomie. Et ensuite, vous devez répondre à ces quatre questions aussi, vrai ou faux. D'accord? Vrai ou faux? Verdadero ou falso? Vrai ou faux? Quelles sont les questions de quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un qui a l'air? Les quatre questions. Vrai ou faux? Comme devoir aussi. Alguien qui quiere leer, quelqu'un qui veut lire, vrai ou faux? Verdadero o falso? Oui, Gabriel? Non? Oui. Ok. Les Français mangent sucré le matin et les adultes voient. Les adultes voient et surtout du chocolat ou lait et les enfants ne voient pas de café. On trempe souvent sa tartine dans son vol. Très bien, bravo, c'est ça. Parfait. Et bonne lecture. Donc, on répond à ces questions, d'accord? Ces questionnaires. On répond à ces questionnaires pour jeudi prochain, d'accord? Vous pouvez aussi, vous pouvez m'envoyer un message privé ou une photo avec le devoir, d'accord? Et maintenant, on va finir la séance d'aujourd'hui. On va finir la séance d'aujourd'hui avec un jeu, d'accord? Avec un jeu qu'on joue. Très, c'est simple. On va travailler un peu le vocabulaire du petit déjeuner. C'est parti. Oui, maximum 5 minutes. Ces dernières 10 minutes qui nous restent, on va travailler le vocabulaire. On va travailler le vocabulaire et du petit déjeuner. Voilà. Toujours, on va dédier, on va consacrer 5-10 minutes à jouer, d'accord? À faire un petit jeu. Ok. C'est simple. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense ça et après ça. Ok. Ça charge. Il est en train de charger. Très bien. On est prêt.
Bon, désolé, maintenant ça marche. Ok, très bien. C'est facile, c'est facile. Alors, c'est le verbe boire, d'accord? Ici, c'est le verbe boire. Beber, boire. Alors, on va faire la conjugaison. Très rapidement, la conjugaison du verbe boire, comme ça, d'accord? Donc, le pronom sujet, je bois, tu bois. Et il boit, nous, vous bon, vous buvez, ils boivent. D'accord? Et à la fin. Ils boivent. Très bien. C'est la conjugaison du verbe boire au présent, à la présente. D'accord? Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, à vous. Et 1, B, C, D, E. Alors, à vous, à vous, à vous. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Yo. Avec miel. Avec du miel, oui. Quel numéro? Quel numéro? Oui, exactement. Hein, très bien. Ensuite, ensuite. Ensuite, ensuite. On finit, on finit. Je bois de l'eau et 13. 13. Ouais, très bien, bravo, merci à Ariane. Je bois de l'eau. 13. Je bois de l'eau, très bien. Et je bois de l'eau. 13, bravo. Parfait, bien prononcé, exactement. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, non, difficile. Un peu complexe. Avec du beurre, Quel numéro? 10. 10, bien évidemment, très bien. Merci. Avec du beurre. N'est-ce pas? Très bien, 10, bravo. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, Gabriel, Antonio, Jimena. Du pain. Je mange du pain. Toi, toi. Je mange du Un pain. sept. Sept, sept, exactement. Sept, Non, très sept. bien, très bien. C'est une baguette, n'est-ce pas? Je mange du pain. Como pan. Je mange du pain. Très bien. Ensuite, ensuite. Bravo jusqu'ici.
Et je vois du café. Oui, quel numéro? Et le 11. Oh. Et 11. Oui, 11. Oui, je mange du café. Non. Et non. C'est pas 11. 10, 10, n'est-ce pas? 10. Oui, 10. Très bien. OK. Ensuite, ensuite. FF. Gabriel, tu as la bonne réponse. Ah, j'ai vu du chocolat et je 10 à 10, 10, exactement, exactement. Gabriel, 10. Je bois du chocolat chaud. Je bois du chocolat chaud. Très bien. Merci, Gabriel. Ensuite, G. Je mange des fruits et Pardon? je mange des fruits et Oui. 6, 6, 6. six. Oui, fruits. Je mange des fruits. On va prononcer oui, d'accord? Oui. Je mange des fruits. Voilà, très bien. Je mange des fruits. 6. Parfait. Ensuite, ensuite. Secret 6. Oui, sucre. Ah, sucré, oui, sucré, exactement. Sucré, 6. Très bien. H. Ensuite, merci Ariane. Je mange du pain au chocolat. Tri. Pardon? Toi, toi. 3, bravo, exactement Gabriel, 3. Bravo. English. D'accord. D'accord, exactement 3. Parfait, ensuite. Et je vois du thé, 5, 5. 5. Oui, effectivement, effectivement, c'est ça. Bravo, Ximena. Je bois du thé. Et oui, 5. Ensuite. K. Et on finit, on finit. On termine. Je vois des jeux de range, hein? Un bien, bien joué, Ariana. Je bois du jus d'orange, d'accord? Jus d'orange. Un. Pour finir, LMNO. Je mange de céréales. Toi? Oui, effectivement, très bien, Gabriel. Je mange des céréales, trois, exactement, très bien. Je mange des céréales. Bravo. Bien joué. Avec du lait. Quoi? Bravo. Exactement, Ximena. Parfait. Exact. Pour finir. Avec de la confiture et d'eau. 2, effectivement. Et finalement. Et finalement, Je mange un croissant. oui, exactement. Oh, bravo, exactement. C'était un peu le vocabulaire du petit déjeuner. D'accord? Après, je vais partager cet exercice et d'autres exercices à faire. Ce sont des jeux. Alors, on se trompe. Alors, c'était le thé ici. C'était le thé et boire du thé, le café. J-E. E et J. D'accord? C'est à l'envers. Ok. Mais pour le reste, ça va. Bravo tout le monde. Alors, avec la confiture. Ok. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, il y a des questions? Non, pas de questions? C'est tout pour aujourd'hui. Je vais partager ces jeux. Et je vais laisser
quelques d'autres jeux à faire, d'accord? Comme activité, comme tâche, comme devoir pour jeudi prochain. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci d'être connecté. Soyez bienvenus. Et on se voit jeudi soir à 21h. D'accord? À 21h. Bonne soirée, bonne semaine. À la prochaine. Voilà. Du café, de la confiture, oui. Du thé. Ok. À la prochaine. À jeudi. Bonne Bonsoir, soirée. bonjour. Bonsoir. 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 À jeudi. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Merci. De rien, de rien. Bienvenue, bienvenue. Et à jeudi.